La une de ces mercredis, publication par la CENI de résultats provisoires des conseillers communaux. Au total, 915 candidats élus ont été proclamés provisoirement sur les 50 000 candidatures enregistrées. Et puis déraillement d'une tête des locomotives de la SNCC dans un ravin à Benalleka, dans les territoires de Demba. Nous sommes au Kasaï central, pas mort d'homme, mais un calvaire pour la population qui se trouve dans l'impossibilité d'évacuer sa production locale. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. L'Afrique du Sud s'est dit prête à accompagner la RDC à retrouver la paix pour son développement, affirmation de l'envoyé spécial de Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une audience lui accordée à la cité de l'Union africaine. On fait le point avec Blandine Zovo, Roger Dier et Tchichi Mbita. La République sud-africaine est déterminée à contribuer de manière significative au retour de la paix durable dans l'est de la RDC. L'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa pour la région des Grands Lacs l'a dit au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeff Radebe insiste sur la coopération militaire et l'excellence des relations économiques existantes entre la RDC et l'Afrique du Sud. Que notre gouvernement et le peuple sud-africain sont là pour soutenir le gouvernement et les Congolais pour se rassurer que nous amenons l'unité, la sécurité et la prospérité à la RDC et particulièrement à l'est de la RDC. C'est pour cela que nous faisons partie de la SADC pour s'assurer ensemble que nous emmenons la mission de paix afin de maintenir la stabilité et la paix. Mais au-delà de cela, notre président est engagé à renforcer la collaboration économique et la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et nous verrons beaucoup d'actions pour ce qui est des activités commerciales entre les deux pays. La République sud-africaine, pays membre de la SADC, a décidé d'apporter la paix à travers l'une de ses unités appelées Force de sauvegarde de la paix qui est déjà sur le terrain dans l'est de la RDC. À la cité de l'Union africaine, Jeff Radebe était accompagné de l'ambassadeur sud-africain en poste à Kinshasa. Et puis cette intervention du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a répondu aux questions de nos confrères de France 24 sur l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'écoute. Cette fois, il n'aura pas le droit à l'erreur. Écoutez, le président de la République a été brillamment réélu par les Congolais dans toute la République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège de faire quelques étapes durant sa campagne électorale. C'était juste phénoménal, l'espoir qu'il a incarné pour tous ces peuples. Et vous avez vu, pour la première fois, en tout cas depuis 2006, nous avons eu un processus électoral qui a été dit équitable par le centre Carter. Tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été, tous ceux qui pouvaient faire campagne l'ont fait, et à la fin de la journée, les Congolais l'ont plébiscité. Pourquoi? Parce que justement, il a un plan clair, que ce soit sur la question du retour de la sécurité dans l'Est de la RDC, sur les questions économiques des développements, sur la place de la femme, la place des jeunes. Je crois que le projet que le président de la République a porté, c'est ce qui a justifié justement ce raz-de-marée qu'il a obtenu à la fois au niveau présidentiel, mais aussi au niveau législatif national et au niveau provincial. Et donc le président de la République, avec toute cette légitimité, comme il aime à le dire dans une expression courante chez nous, qu'il doit aux Congolais, qu'il est très endetté par des Congolais, et la prise de pouvoir ce 20 janvier marque justement les débuts du travail et je peux vous assurer que l'énergie a encore été démultipliée. Alors, vous avez affirmé que le scrutin s'était bien passé. Ce n'est pas l'avis de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui a très récemment estimé que les élections, je cite, ont été une catastrophe électorale caractérisée par la fraude, la corruption, écoutez, vous savez, la grande échelle. Vous savez, ce qui est bien en République démocratique du Congo, c'est que nous sommes en train de consolider notre démocratie. La même mission d'observation électorale. La même mission d'observation électorale mandatée par l'Église catholique et protestante a dit qu'il y avait un candidat qui dépassait largement, majoritairement, tous les autres candidats. Et donc, il n'y a pas des polémiques à avoir sur la réélection massive du président de la République. Mais ici, Marc, il faut qu'on note que nous sommes à notre quatrième processus électoral. Nous ne nous attendions pas à avoir des élections parfaites. Dans un pays où il devait y avoir 44 millions
d'électeurs dans des conditions logistiques qui sont celles-là. Et vous avez vu aussi, et ça vaut la peine d'être souligné, que tous ces candidats qui ont été à la base de tout ce qu'on a observé comme cas de fraude, comme cas d'irrégularité, ont été sanctionnés et invalidés au niveau de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, il faut plutôt qu'on tire les conséquences pour qu'on améliore pour l'avenir. Et c'est ça qui est bien plus important que vouloir verser dans une forme de polémique, ne voir que du noir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées le 20 décembre. Il faut aussi les reconnaître. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ont été reconnues et qui ont été corrigées. Et donc, je crois que c'est ça l'essentiel pour l'avenir. Revenons au pays, publication des résultats provisoires des conseillers communaux. Au total, 915 candidats élus ont été proclamés provisoirement sur les 50 000 candidatures enregistrées à travers tout le pays. Cette proclamation a été faite province par province. Je vous propose de suivre celle du Maniema. Province de Maniema, il s'agit de la ville de Kindu. Il y a le conseil communal de Alunguli, où deux partis ont atteint le seuil. Il s'agit de AADA et de LGD. Et puis il y a le conseil de Kasuku, dont la circonscription de Kasuku, c'est AACPG. Et puis Mikelenge, c'est 4AC. Maintenant, je m'en vais citer les noms de ceux qui ont été élu à titre provisoire. Circonscription de Alunguli, il y a 7 sièges pourvus. Songolo Kabei Joshin, LGD. Kianga Kwabezaga Bernard, AADA. Wetanene Kubali Hervé, AADA. Malumba Songe Victor, LGD. Ngubi Lukwabantu Albert, AADA. Mupenda Makindo Fidel, AADA. Azama Walama Angel, LGD. Conseil communal de Kasuku, 7 sièges à pouvoir. Il s'agit de Kapuli Kitenge, bienvenue, AACPG. Kapuli Kitenge, bienvenue, qui vient deux fois, AACPG. Lawamo Selemani Taylor, 4AC. Lukongo Faizi Mwimba, AACPG. Bamungwa Amuri Jean, AACPG. Ramazani Sulubika Albert, AACPG. Salé Kandolo Pierre, AACPG. Et enfin, le conseil communal de Mikelenge. Tous les sièges sont allés au groupe 4AC. Il y a 7 sièges donc. Et Kondi Yohari Mami. Amisi Noura Oja. Barnabas Ponyo Lukusa. Kayeba Mbilika Kas Olea. Mwayuma Katambwe Josephine. Mwinyi Menya Lucie. Mwisangie Kabwika Chantal. Que doit-on comprendre de la mobilisation massive des dirigeants du monde à l'investiture du président Tshisekedi, réélu à sa propre succession? L'ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le sénateur Léonard Cheokitundu, attribue ces sujets à l'affirmation de l'étoffe d'un homme d'État. Pour lui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo jouit également d'une grande popularité sur le plan interne. On l'écoute au micro de Françoise Bouélabouaki. Cette fois-ci, ce qui m'a étonné, c'est que d'une part, avec des mesures de sécurité minimales, le stade était archi-comble. Premier élément sur le plan interne. Sur le plan externe maintenant, diplomatique, 20 chefs d'État et toutes les communautés économiques régionales du continent étaient représentées. Donc, il a pu convaincre ses pairs dans le monde entier et qui l'ont accepté, parce que le pouvoir de foi repose sur trois béquilles. Si vous êtes diplomatiquement fort, alors ça va très bien. Si vous avez une armée dissuasive,
c'est déjà une deuxième béquille. Et la troisième béquille, c'est que vous avez une assise populaire. Et un élément aussi qui rend le chef de l'État populaire, c'est le fait que la population, mais aussi une grande partie de la communauté internationale, s'est finalement rendu compte qu'il a la stature d'un chef d'État, au fait qu'il est à sa place. Et ça, c'est très important, surtout pour un pays continent comme la République démocratique du Congo, un pays complexe avec des normes de difficultés. Je crois qu'il a une personnalité qui reflète ce que la population attend d'un chef de l'État. Pelende dans la province du Kwango appelle à des corrections des erreurs dans la cooptation des élus au niveau de l'Assemblée provinciale, préoccupation exprimée par les grands chefs, lui, au cours d'un échange avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. On fait le point avec Robert Ndaye. Quelques jours après la grandiose cérémonie d'investiture du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État a reçu tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier. Ce mardi 23 janvier 2024, ces chefs coutumiers de la chefferie Pelendo Nord dans la province du Kwango, conduits par le grand chef coutumier Louis Makambo Michunga, ont transmis par le canal du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tukume Soumangou, les messages de félicitations adressés au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, et réaffirmer les soutiens de la chefferie Pelendo Nord aux actions du président réélu. Nous sommes venus féliciter le premier vice-président de l'Assemblée nationale en sa qualité du secrétaire permanent de l'Union sacrée d'abord. Féliciter également, passer notre mot, message de félicitations, une fois de plus, pour qu'il transmette ça au chef de l'État que nous soutenons, la chefferie Pelendo Nord que nous représentons. Je suis le chef de chefferie. Le président de la République peut compter sur notre soutien en tant que chefferie, puisque nous sommes la grande chefferie de la République et de la province du Kwango. À une semaine de l'ouverture de la session inaugurale du Parlement, ces chefs coutumiers sollicitent l'implication du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation pour qu'au moins un fils de Pelendo Nord soit coopté à l'Assemblée nationale. Nous avons le problème de cooptage de députés provinciaux et des sénateurs pour la province du Kwango. Et la province du Kwango a 6 circonscriptions électorales. 4 circonscriptions électorales ont déjà bénéficié de chefs coutumiers cooptés. Il est resté 2 circonscriptions électorales. Sur les 2 circonscriptions électorales qui sont restées, il s'agit de la ville de Kenge et du territoire de Popokabaka. Donc, de droit, le prochain député à coopter doit provenir de la ville de Kenge et du territoire de Popokabaka. Le professeur André Mbatabe Tukume Soumangou a rassuré ses hôtes que leurs plaidoyers seront transmis à la haute autorité politique de l'Union sacrée. Il a également invité le grand chef de travailler pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans la province du Kwango. Savez-vous que lors de la cérémonie d'investiture du président de la République, des véhicules ont été mis à la disposition de la population pour son déplacement jusqu'au stade des martyrs de la Pentecôte, lieu de la cérémonie? Alors, qui sont les bienfaiteurs? Éléments de réponse dans ce reportage de Gaïta Magalano. Ils se sont assignés la mission d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers ses bonnes actions menées au profit du peuple congolais. C'est grâce à l'air société Sesdia Kiabiso, basée sur le transport terrestre en République démocratique du Congo, que cette société que dirige le jeune entrepreneur Briwing Bukaka Diakanoa a mis à la disposition du peuple ses véhicules de marque pour assurer leur déplacement gratuit de toute personne. Personne voulant prendre part à l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au stade des martyrs le samedi 20 décembre 2024.
sans rien attendre en retour, la société a assuré la visibilité du chef de l'État à cette journée en posant les effigies sur leur véhicule pour démontrer leur attachement à celui qu'ils qualifient de l'homme des bonnes actions et de l'émergence, Fatshi Béton. Malgré son très jeune âge, Briwing Bukaka Diakanoa s'est décidé de participer au développement du pays. Il a profité par la même occasion pour féliciter les sens de responsabilité qu'a adopté les Kinois et Kinoises en cette journée si cruciale pour la RDC, en allant massivement leur véhicule pour prendre part à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, lui et son père Noël Bukaka Diakanoa. Ont félicité tout d'abord le président Félix Tshisekedi pour son second mandat à la tête de la RDC, mais aussi remercie la population en leur attitude adoptée en cette journée. Sud est déterminé à contribuer de manière efficace au retour d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Ce sont les mots de Jeff Radebe, envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nicole Sessep, reportage. À la tête d'une forte délégation, l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, avec un focus sur la République démocratique du Congo, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo et Jeff Radebe ont largement abordé les questions des coopérations militaires entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, ainsi que les relations économiques entre les deux pays. Pour ce qui est des solutions à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'émissaire de Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs a rassuré la détermination de la SADC à restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo par la force des sauvegardes de la paix. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est même engagé à mettre ses propres forces pour apporter la paix dans la partie est de notre pays, a laissé entendre son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Jeff Radebe a par ailleurs exprimé le vœu de voir très prochainement l'est de la République démocratique du Congo retrouver une paix durable et salue la détermination du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans la restauration de la paix partout en République démocratique du Congo. Comme annoncé dans les sommaires, déraillement d'une tête des locomotives de la SNCC dans un ravin à Benalika, dans le territoire de Demba, pour cause des têtes d'érosion en progression jusqu'à détruire la voie ferrée, la route nationale numéro 41, fortement endommagée, un calvaire pour la population qui se trouve dans l'impossibilité d'évacuer sa production locale. Images et commentaires. C'est au tour des 18h locales qu'une locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo, voulant traverser la gare de Benalika, a fini sa course dans un ravin qui avait déjà coupé cette gare en deux lors de dernières pluies torrentielles. La commune de Benalika, dans les territoires de Demba, dans la province du Kasaï central, est aujourd'hui menacée par des têtes d'érosion, notamment une qui détruit la route nationale numéro 41, emportant plusieurs résidences à chaque pluie, et une autre qui a détruit la voie ferrée de façon répétitive en l'espace de quelques mois, rendant impossible l'évacuation des produits agricoles des zones de production vers la ville de Kananga, le centre de consommation. La population du Kasaï central, complètement révoltée, dit ne toujours pas comprendre l'attentisme de l'office de voirie et drainage OVD, ainsi que de l'office des routes, qui ont pourtant installé des campements, mais n'arrivent pas à stopper ne serait-ce que la progression de ces érosions. C'est grâce à l'intervention personnelle d'un notable de Demba, Thierry Moulumba, qui, dans son sursaut d'élan citoyen, a mis à la disposition de cette société une chargeuse pour tracter les wagons de la SNCC, rester jusque-là dans la zone dangereuse afin de les mettre à l'abri du danger. Ce, sous les acclamations et l'admiration de la population riveraine. La population du Kasaï central en général, et celle de Demba en particulier, en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a envie de sauver la route nationale numéro 41. Elle sollicite surtout l'implication du gouvernement central, a envie de trouver une solution durable, étant donné que le gouvernement provincial du Kasaï central a montré ses limites en ne disposant pas de moyens conséquents pour endiguer complètement ces fléaux et remettre en état cette voie où plusieurs barrières sont érigées et des frais de péage perçus
sans qu'aucune initiative de réhabilitation de la route ne soit envisagée. Après avoir été séduit en 2019 par la présentation des opportunités d'investissement qu'offre la RDC, le groupe médical japonais Tokoshukai, spécialisé dans la médecine du cœur et dans la transplantation rénale, compte construire un grand hôpital en République démocratique du Congo. Plus de précisions avec Patrick Michel Mokoui. Il faut parfois des années pour palper les retombées de la promotion d'un pays à l'international. À la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique en 2019, la République démocratique du Congo avait réussi à s'inscrire dans les agendas de grands investisseurs comme le Tokoshukai Medical Group qui, 5 ans après, veut pousser loin ses ambitions à RDC en projetant la construction d'un grand hôpital. Nous sommes un groupe qui est au sommet de la médecine des cœurs au Japon. Okay, nous sommes un groupe qui a aidé des pays comme la Tanzanie à mettre sur pied un système de transplantation rénale qui est encore très rare en Afrique. Et nous avons mis ici, au Congo aussi, un centre de hémodialyse pour traiter les insuffisants rénaux. À l'Agence nationale pour la promotion des investissements, les représentants du groupe ont été reçus par le directeur général Anthony Kinzokamole et son adjoint Bruno Chibangu Kabaji. Une mine d'informations pour ce japonais. Nous venons de le voir par les tableaux que le directeur nous a présentés avec beaucoup de brio. En 30 minutes, on a très très bien compris, bien résumé, tout le fonctionnement, peut-être tout du monde des affaires du Congo. Plus grand groupe médical du Japon, avec 370 institutions de santé et 76 hôpitaux généraux, le Tokoshukai a déjà un pied sur les secteurs congolais de la santé et compte y poser les deux dans un futur très proche. Parlons couverture santé universelle en RDC. Plus de 200 000 femmes ont déjà bénéficié du programme de la maternité gratuite. Regardez. Le programme de la couverture santé universelle est en marche et sera bientôt effectif dans d'autres provinces hormis Kinshasa. C'est ce qui explique la réunion de mise au point présidée par le coordonnateur du comité technique et stratégique du Conseil national de la couverture santé universelle, Mbongani Kabila Polydor, avec plusieurs entités et structures médicales qui accompagnent ces programmes. Comme l'a dit le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa tournée de campagne et même avant, comme dans le programme du gouvernement, c'est que nous allons déployer la couverture santé universelle au-delà de la ville province de Kinshasa. Nous devions donc harmoniser nos démarches pour déployer cette couverture santé universelle dès le mois de février dans 11 provinces au total. Déjà au moment où je vous parle, au-delà de Kinshasa, il y a la province du Sud Kivu, la province du Kasaï-Kassai central, ainsi que la province du Kwilu, qui sont déjà dans la gratuité ensemble avec Kinshasa, et même le Congo central, qui a fini avec le processus d'accréditation des établissements de soins de santé, et qui va donc aussi démarrer avec la gratuité au mois de février, ensemble avec 7 autres provinces. À ce qui concerne le moyen, ces programmes de la couverture santé universelle bénéficient de l'appui de la Banque mondiale. La Banque mondiale a disponibilisé des 78 millions de dollars, qui vont non seulement aider à couvrir les prestations de soins de santé, donc le paiement de prestations, mais aussi à l'amélioration de l'offre. Et par l'amélioration de l'offre, nous disons la réhabilitation des établissements de soins et aussi la construction de nouveaux établissements de soins. À l'heure actuelle, plus de 200 000 femmes ont bénéficié du programme de la maternité gratuite, une initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Autre chose, la femme violentée par des inciviques à Malembankoulou et celles qui ont subi des actes de violence physique pendant la période électorale seront prises en charge par le gouvernement de la République. La ministre du Genre, Famille et Enfants en a discuté avec une délégation composée des victimes. Kenina, reportage. La vidéo des sévices corporels sur une femme à Malembankoulou avait récemment enflammé la toile. On y voyait une femme. Le fait d'appartenir à une tribu, c'est faire violenter par des inciviques. Quelques mois après, les souvenirs hantent encore les esprits. C'est ainsi que la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Bibi-Massangou, a échangé avec ses victimes qui se sont fait accompagner d'un couple de pasteurs à la tête d'une association qui sollicite du gouvernement une prise en charge de ses victimes. Et la patronne du genre en a bien conscience. Dans le groupe, l'on retrouve également d'autres femmes
victime des violences pendant la période électorale. Non, je pense que madame a été claire, il y a des structures de la République. Donc il y a une prise en charge totale et par ses services et par d'autres services qui collaborent avec madame la ministre. Donc nous, on est arrivé juste au sommet pour déposer nos doléances. Et je pense que madame nous a donné des réponses que nous avons aimées parce qu'il y a ses services. Service de la République et puis elle travaille avec des associations, avec ses collaborateurs. Donc le dossier est pris en charge par la République. Dans un autre registre, le directeur de cabinet adjoint de la ministre du Genre a procédé au lancement officiel des travaux d'évaluation du plan national de la deuxième génération de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le FAM, paix et sécurité. Les travaux qui vont consister à évaluer les plans nationaux et déboucher par les recommandations pour que dans la finalité, l'on procède à l'élaboration d'un nouveau plan pour 2024. Politique, pacte pour un Congo retrouvé, PCR en abrégé, vient de voir le jour dans la capitale Kinshasa. Cette plateforme est composée de 4 regroupements politiques membres de l'Union Sacrée, nous dit Annie Mbalaka. 4 grandes formations politiques de l'Union sacrée pour la nation viennent de signer un accord politique donnant naissance à une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Dans un communiqué conjoint annonçant la signature de cet accord politique, le PCR révèle qu'il s'agit d'un pacte de soutien à la majorité présidentielle. Cet accord politique signé se fonde sur les valeurs qu'incarne le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pour objet, primo, d'apporter le soutien au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxième, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à cet accord. Tertio, d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Dans son discours, Vital Kamerhe, président de AAUNC, a affirmé que la naissance du PCR vise à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les soutiens nécessaires à l'accompagnement de sa vision et de son ambition de faire de la RDC un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portées par notre grande famille politique. Il est composé de 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Action des Alliés et Union pour la Nation Congolaise, AAUNC, de Vital Kamerhe. Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, de Tony Kankouchikou. Alliance Bloc 50, AB50, de Julien Paloukou. Et Coalition des démocrates, CODE, de Jean-Lucien Bda. Cette plateforme, membre de l'Union sacrée de la nation, s'est dit ouverte à l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes. Et pour terminer, au Kasaï Tshikapa, la session de formation sur comprendre le sens de la vie syndicale au sein de l'entreprise s'est achevée. Travaux organisés par la direction générale de la régie des voies aériennes. Franklin et Claire Kalombo, reportage. Pendant 3 jours, les agents et cadres, y compris les délégués syndicaux de la régie des voies aériennes de Tshikapa, ont pris part à une session de formation organisée à leur intention
par la direction générale de la RVA, avec comme objectif communiquer aux participants de notions générales sur le syndicalisme, initier les partenaires sociaux à comprendre l'essence de la lutte syndicale au sein de l'entreprise. Motif de satisfaction pour François Kazingula Kitaka, commandant de la RVA Tchikapa. Un coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le DG. Je le remercie infiniment parce que j'ai senti qu'il a les soucis pour avoir des hommes parfaits de manière à les placer à la place qu'il faut. Parce que, vous savez, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a jamais connu encore ce mouvement de formation syndicale ou autre chose, ou autre service, jamais. Plus de 10 ans pour la formation syndicale. Sentiment de grande joie également exprimé ici par Maurice Mangwanza, président de la délégation syndicale. La pensée qu'a eu le DG de la RVA, c'était une bonne pensée par rapport au renforcement des capacités des délégués syndicaux. Parce que les délégués n'ont pas seulement le rôle revendicatif, doit aussi jouer le rôle éducatif. Remise de brevet aux participants par le superviseur représentant personnel du DG, photo de famille, c'est ainsi que s'est clôturée cette session de formation assurée par Jean-Marie Nzungule et Hugues Nkambo, tous deux membres de l'ONG L'Homme au centre des tout. Fin de ce journal, merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse juste à la fin du générique de suivre l'intégralité de l'intervention du ministre Patrick Muyaya sur les plateaux de France 24. Excellente suite des programmes à toutes et à tous.